Ah, il y en a des qui vient de faire un trade en plein dans la voiture. Combien t'as gagné? 9,25€. 9,25€. En combien de temps? Bah là, directement, en 5 minutes. Voilà, en 5 minutes. 10€ en 5 minutes. Et 2,12€. Voilà. Et là, 2,12€. Et là, 2,12€. Ça fait 12 balles en fait. 12 balles en 30 minutes. Et franchement, attends, tu peux même montrer si tu veux. Attends, on va montrer. C'est juste que je trade vraiment jamais, genre. En plus, t'avais plus de batterie. T'es une ouf. Voilà, donc là, t'as pris 2,12€. Il faut vraiment que tu m'y mettes parce que. Bah, vois, c'est très bien. Ouais. C'est très très bien. Du coup, tu veux. Donc, vous avez vu, la famille, il n'y a pas de petites sommes. En fait, si vous accumulez à chaque fois des trades comme ça à longueur de journée, ce sont approximativement les sommes que vous allez gagner. Ouais. Donc, des 10 euros par-ci, 20 euros par-là, etc. En fin de journée, vous êtes à 70, 80 euros, des fois 100. Ouais. C'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une journée. Il faut juste être assidu. Ouais, voilà, faut juste être assidu. Nadia, elle a du mal à être assidue, mais là, elle commence à prendre le. Elle commence à prendre la main. En fait, c'est une question d'oseille, t'as capté? Ouais. Elle se dit, ah ouais, en fait, on prend de l'argent vite fait avec ce truc-là, tu vois. Elle croit que c'est une Game Boy, tu vois ce que je veux dire, mais en fait, c'est pas le cas du tout. Je lui ai dit, elle parle avec Dylan pour justement se structurer et ne pas faire n'importe quoi. Tout comme vous, tout pareil, tout pareil. Voilà, tout pareil. Donc là, si vous avez fait pareil que Nadia, normalement, vous êtes à plus 12-13 balles. T'as capté ou pas? Parce que je sais pas si vous avez vu, elle avait perdu 41 centimes, c'est ça? Ouais. Voilà. Mais ils sont revenus du coup. Ouais, elle a perdu 41 centimes, elle en a gagné 12, donc du coup elle a 11 et quelques. Ouais. Exactement. Voilà. Et dans Pierre Tech. Bah, c'est elle, mec, je suis contente. On va pouvoir aller au. Donc je le répète et je le dis encore, pour ceux qui veulent nous rejoindre, ne ratez pas le coche. Le trading, c'est le nouveau e-commerce. Tout le monde va y venir, je vous le dis. Tout ce qu'il faut, c'est avoir un vrai trader derrière vous. Si vous n'avez pas de vrai trader, inquiétez-vous. On a ramassé les pots cassés de beaucoup de gens qui vous ont bluffé. Ça commence à vraiment. J'en ai marre de me répéter en fait. Tous les jours, les gens prennent de l'argent. Je vais pas en parler 700 milliards de fois. Tous les jours, oui, mais pas 700 milliards de fois. Il y a combien de journées dans une vie? Dans quoi? Il y a 700 milliards de jours. Ah bah ouais, à peu près. Je vais vous mettre tout de suite le Blata Gang, le canal Telegram du Blata Gang. Je me suis porté garant pour ma communauté. Ne l'oubliez pas. Donc, ça va être très très simple. Vous avez juste à swipe up. Vous téléchargez l'application Telegram si vous ne l'avez pas. Vous n'êtes pas prêt à faire d'oseille si vous n'êtes même pas prêt déjà à télécharger une application gratuite. Déjà pour tous les flemmards, je réponds à leurs questions. Voilà, simple. Ensuite, venez pas avec n'importe quelle somme. 500 de dépôt minimum. C'est avec cette somme-là que vous allez commencer à pouvoir engendrer des bénéfices corrects. D'accord? Donc, je le répète, tu swipe up, tu arrives sur le canal Telegram, tu vas dans le message épinglé juste en haut. Tu regardes, il y a une vidéo explicative de comment t'inscrire. Tu fais tout comme sur la vidéo. Tu t'inscris, tu fais ton dépôt des 500 et ensuite il y a deux admins. Elle est là la différence dans le Blata Gang, c'est que chez nous, on a des admins qui sont là pour t'éduquer, pour te ramener, ils te prennent la main et ils vont jusqu'à ton premier trade. Ils vont jusqu'à ce que tu engendres des bénéfices, ça personne ne vous le fait. Donc ça va être très très simple. Si vous voulez commencer à prendre de l'argent avant la fin de cette semaine, nous sommes mardi, jusqu'à vendredi il y aura des bénéfices. Donc soyez là, ne ratez pas le train parce que ça fait plus d'un mois que les gens prennent de l'argent tous les jours et vous vous êtes toujours pas réveillé pour certains. Donc il y a de l'argent à faire, c'est le confinement. En plus en ce moment, il se passe des gros trucs aux États-Unis avec le nouveau président, etc. En ce moment, les gens prennent v'là l'oseille avec Biden. Donc ça va être très simple. Canal Telegram, tu swipe up, t'arrives, message épinglé, cas numéro 1, je n'ai pas de compte de trading. Tu cliques, j'ai dit. Tu peux faire un clip aussi. Ouais, tu peux faire un clip. Tu cliques. Tu t'inscris comme sur la vidéo, tu fais ton dépôt des 500 et tu vas voir les admins. Ils sont mentionnés dans le message épinglé. @Dylan, @Marc. J'ai une suggestion. Ouais. Tu devrais faire une petite vidéo YouTube explicative comme ça, les gens. Ouais, je vais vous faire une vidéo YouTube pour que vous compreniez. Et soyez là, soyez présents pour tous ceux qui vont s'inscrire, qui vont faire leur dépôt, etc. Il y a une grosse surprise alors pour là, dimanche. Il y a du très très lourd. Si tu n'es pas inscrit, tu vas rater un vrai truc. Ouais, voilà, c'est-à-dire, tous ceux qui vont être inscrits, ils vont avoir un temps d'avance sur les autres, abusé, puisqu'ils seront là. Donc voilà le canal Telegram, tu swipe up, tu fais de l'oseille avec nous toute la semaine. Ciao ciao. Donc voilà le canal Telegram, tu swipe up, tu fais de l'oseille avec nous toute la semaine. Ciao ciao. Donc voilà le canal Telegram, tu swipe up, tu fais de l'oseille avec nous toute la semaine. Ciao ciao. Donc voilà le canal Telegram, tu swipe up, tu fais de l'oseille avec nous toute la semaine. Ciao ciao. Donc voilà le canal Telegram, tu swipe up, tu fais de l'oseille avec nous toute la semaine. Ciao ciao. Donc voilà le canal Telegram, tu swipe up, tu fais de l'oseille avec nous toute la semaine. Ciao ciao. Donc voilà le canal Telegram, tu swipe up, tu fais de l'oseille avec nous toute la semaine. Ciao ciao. Donc voilà le canal Telegram, tu swipe up, tu fais de l'oseille avec nous toute la semaine. Ciao ciao. Donc voilà le canal Telegram, tu swipe up, tu fais de l'oseille avec nous toute la semaine. Ciao ciao. Donc voilà le canal Telegram, tu swipe up, tu fais de l'oseille avec nous toute la semaine. Ciao ciao. Donc voilà le canal Telegram, tu swipe up, tu fais de l'oseille avec nous toute la semaine. Ciao ciao. Donc voilà le canal Telegram, tu swipe up, tu fais de l'oseille avec nous toute la semaine. Ciao ciao. On essaie de le faire le plus sincèrement possible, la famille.
Mais le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui vous ont mis des disquettes en disant ouais, regarde ce que j'ai grâce au trading, machin, ceci, cela. Bon, bref. Moi, ma plus grande fierté, c'est d'entendre des mères de famille comme ça, d'entendre des receux, d'entendre des frérots à moi qui me disent, frérot, aujourd'hui, j'ai fait une journée à 100 balles, 150 balles, 70 balles. Là, je suis content. C'est ça, ma fierté. Ce que j'aime brandir sur les réseaux sociaux, c'est ça. Donc, envoyez-moi un maximum, s'il vous plaît, un maximum de vidéos témoignages, même si vous ne mettez pas vos visages. Ce sera ma plus grande fierté. Je vous embrasse tous. C'est un truc de fou ce qui s'est passé. Vraiment, je suis mais ultra choquée. Et je suis encore plus choquée par l'histoire du policier parce que c'est de plus en plus courant que les gens qui sont censés nous représenter, nous aider et nous soutenir et être les plus choqués par la délinquance, etc., etc., soit du côté de ces délinquants et balancent les scoops sur les réseaux. Ça m'est arrivé quand je me suis fait cambrioler aussi, ouais. C'est pour ça que j'en parle aussi. C'est la police qui a balancé le fait que je me suis fait cambrioler, en fait. C'est à Aquababe aussi, pareil. Donc, en fait, c'est juste honteux de un que leur seule chose à faire quand quelqu'un se fait agresser, c'est de le balancer sur les réseaux sociaux. C'est juste inadmissible, en fait. C'est-à-dire qu'après, ils s'étonnent, la France, que tout le monde s'en va, si les seuls représentants de l'ordre sont là pour faire les petites blogueuses. Gratuitement, en fait. C'est juste parce que c'est des rageux. En fait, les gens qui sont censés nous protéger, ça devient des petites commères, en fait. Et c'est la seule chose qu'ils font. Être des petites commères. Et quand ils osent regarder une gamine qui vient de se faire agresser, mettre à l'arme blanche un coup de couteau sous la gorge, mais vous imaginez à quel point c'est traumatisant, vous imaginez à quel point la petite, elle est pas bien et elle a besoin de parler à sa mère. Et en fait, cette personne trouve rien de mieux à dire qu'en gros, elle le mérite, mais vous avez pas honte. C'est-à-dire que même si ça serait... Enfin, vous avez pas honte, mais vous avez pas honte. Et c'est encore pas... C'est au même stade. En fait, en fait, carrément, ils sont au même stade que presque que ces gens que ces pourritures qui font ça, en fait. Parce que carrément, les forces de l'ordre, ils sont capables de trouver une excuse à ces gens-là. C'est-à-dire que, eh ouais, tu gagnes de l'argent. Eh ouais, tu te montres un peu sur les réseaux. Eh ben, c'est normal que tu te fasses tabasser et mettre un couteau sous la gorge à 20 ans. Normal. Normal. Tout ça pourquoi? Parce que t'as réussi ta vie? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas comment, en fait, ils peuvent donner raison, en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et encore moins le dire. C'est-à-dire que, au pire, pense-le, t'es un con dans ta tête, ben, reste un con dans ta tête. Mais putain, mais la petite, elle vient de se faire agresser, je sais pas. Tu lui sors ça, en fait. Tu lui sors ça? Eh ouais, mais t'avais qu'à pas te montrer. Et après, la France s'étonne que les richesses et que les gens qui ont de l'argent et que ils en vont, en fait. Ça, ils s'étonnent que tous les gens de télésoir à Dubaï, ça les étonne. C'est fou. C'est fou. Bref, j'étais obligée de réagir parce que ça touche une amie et qu'en fait, ça, depuis longtemps, on le sait, mais quand même là, c'est très... Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Petit croustille dès le matin. Petit bilan de la semaine de tous les traders qu'on a vu passer. Entre ces traders que quand l'influenceur le présente, il peut pas s'empêcher de rigoler. Parce qu'il comprend qu'il y a une douille. Et lui-même, quand l'influenceur, il dit son blaze, lui, il est en train de rigoler en mode, ouais, est-ce qu'on va me démasquer? Ils viennent en survette. Ou des fois, ils osent venir en chemise. Alors qu'on voit qu'ils sont étriqués et que la seule chemise qu'ils avaient dans l'armoire, c'était celle du mariage de leur pote en 98. Ensuite, on a ces traders aussi qui font des dépôts de 200K. À la base, c'est des mecs blindés, ils sont pas traders. Ils sont juste blindés en fait. Mais ils ont vu qu'il y avait un moyen de faire encore de l'oseille dans le trading. Donc ils sont venus, ils font des dépôts de 200 000. Et après, ils disent, regardez, c'est pas des lol. Ouais, mais t'as fait en fait, non, parce qu'en fait, le but, c'est de montrer que t'as fait de l'argent avec le trading. Pas que t'as fait un dépôt de... Ah, je ferme ma gueule. Excuse. Voilà, on va aller jusqu'à où comme ça? Et bon, on va pas parler des autres, on en a déjà parlé tellement de fois. Ceux qui nous montrent des gains à 4000 balles. Et ils te montrent des gains de 4000 balles en une semaine. Ouais, bah, je sais pas, tu as quand même dit que ça faisait 6 ans que tu tradais. Bah, montre-nous tes trucs de 6 ans, de 3 ans, des bilans, des trucs. À chaque fois que vous avez essayé de trader en live, vous avez tout perdu. Et voilà que c'est vrai. À chaque fois qu'ils ont voulu faire un trade en live, ils ont tout perdu. C'est une dinguerie, frère. C'est une... Non mais ça c'est le pire ça. Ça je crois.
Ça, je crois que c'est quand même la pire des choses, c'est de vouloir montrer à sa communauté que tu veux faire un trade en live et que quand tu ouvres l'application et que tu leur montres que tu as fait un trade en live, que tu es à moins 4000. Non, mais en fait, c'est parce qu'on attend. On attend. À tout à l'heure, bande de chien métal. De toutes les façons, c'est qu'une question de temps, la famille. Donc, vous inquiétez pas, vous prenez pas la tête. Soyez là ce soir sur le live à 19h, d'accord? Je vais vous mettre le lien après en swipe up avec le code pour rentrer sur la conférence Zoom live de ce soir, 19h, heure française, je le précise. Et écoutez bien, pour toutes celles et ceux qui sont chez les autres et qui ont perdu de l'argent, etc., ne perdez pas espoir. Le trading est quelque chose qui marche réellement quand vous avez un vrai trader. Je le répète et je le répéterai jamais assez. Donc, je vous dis à ce soir 19h. Restez à l'affût. Je vais poster le lien en swipe up. Rendez-vous 19h avec le code pour rentrer sur cette conférence live. À tout à l'heure.